Saint-Michel, c'est le patron de Bruxelles, c'est le protecteur de la ville, et ce depuis le Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est vraiment une image laïque, et c'est simplement voilà, l'emblème du bien qui contre le mal. Et c'est l'image de Bruxelles avant même notre cher Manneken Pis, et plus récemment l'Atomium. Toute œuvre qui provient d'un bâtiment d'architecture ou même de l'espace public, à partir du moment où on la retire de sa fonction première, comme une girouette, une fontaine, une sculpture qui décore une façade, à partir du moment où on l'enlève et que ça rentre dans les collections, à ce moment-là, évidemment, il est traité comme un objet muséal, donc avec un numéro d'inventaire. Il est sûr et certain que Saint-Michel a toute sa place au sein même du musée de la ville de Bruxelles, étant donné que c'est le saint patron de notre ville et que donc Saint-Michel est toujours le bienvenu et prioritaire dans nos murs. La girouette de l'hôtel de ville de Bruxelles, elle a été descendue de la flèche en 1993. Et elle a été remplacée par une copie qui a été placée en 1996. La décision de remplacer l'original par une copie a été prise au moment du démontage, dans la mesure où deux constats ont été faits. D'abord que l'œuvre était quasiment dans sa totalité originale. Donc, à part la structure intérieure, toutes les pièces ou l'essentiel des pièces étaient encore celles du XVe siècle, ce qui donne une valeur évidemment énorme au niveau artistique, mais aussi au niveau archéologique. Et d'autre part, que l'œuvre était très usée. Et que donc, si on avait voulu garantir la sécurité, d'une part, et la pérennité de l'œuvre, une fois qu'on la remontait à 100 mètres de hauteur, on aurait dû remplacer un nombre trop important de pièces pour considérer que l'œuvre gardait sa dimension originale. Donc la décision a été prise de réaliser une copie à l'identique et de mettre à l'abri l'original, qui finalement est quand même resté pendant un peu plus de 500 ans au sommet de la tour, ce qui est un tour de force absolument exceptionnel. Ici, on a la chance d'avoir une girouette qui, depuis le milieu du XVe siècle, donc depuis l'été 1455, au moment où on la place au sommet de la flèche, a perduré au travers des périodes historiques, tantôt descendue, tantôt remontée, dorée ou restaurée à quatre reprises au XIXe siècle. Ce qui a permis évidemment de la préserver et de la préserver jusqu'à aujourd'hui pour l'exposition au public. La sortie du diable de l'hôtel de ville, donc un diable qui n'a pas pu être démonté puisqu'il est fixé à son armature et qu'il fait près de 2 mètres de long et qu'il a une attitude tout à fait particulière. Et donc il a fallu tenter de le faire passer par une fenêtre de l'hôtel de ville du côté de la rue Charles Buls et que là, ça a nécessité disons, des moyens en force humaine assez importantes et plusieurs essais ont été nécessaires pour enfin voir ce diable sorti de l'hôtel de ville et pouvoir entrer par la suite alors à la maison du roi. Le diable est également lourd, il pèse plus de 100 kg, il est d'une pièce et il a une attitude tout à fait complexe. Il est composé de membres aux formes variées et donc il est difficile de le maintenir d'un tenant. Il doit être porté bien évidemment par des hommes et le poids et la complexité de la sculpture, sans parler de son armature, font que ça a été la pièce la plus difficile à transporter à la maison du roi. Qui a réalisé la statue? Eh bien, en réalité, nous ne savons pas. Les textes retranscrits au XVIIe siècle nous mentionnent un certain Merton van Rode et il est payé une somme, disons, assez importante. Toujours est-il que, dans l'hypothèse de la recherche entamée ces derniers mois et ces dernières années, il semble évident qu'on ne peut attribuer cette œuvre à une seule personne. La particularité, c'est d'abord sa monumentalité. Depuis la base de son socle jusqu'à la pointe de l'épée, on est environ à 5,50 m de haut. La deuxième particularité, c'est sa position. Au sommet d'une flèche à près de 100 mètres d'altitude, à 100 mètres de haut pardon, par rapport au niveau de la place, c'est un endroit tout à fait stratégique et privilégié.
D'un autre côté, c'est également une localisation particulière puisque c'est sur la place du marché et sur un édifice civil. Une autre particularité est son état de conservation, qui est pour plus de 500 ans d'existence plutôt remarquable. Donc ce Saint-Michel a été évidemment exposé au vent et à la pluie pendant des siècles. Et évidemment, ça ne s'est pas fait sans mal. Un des exemples, c'est que la foudre est tombée sur la girouette au 19e siècle et que son épée est tombée sur la Grand Place, s'est froissée à la pointe. Et eh bien, très logiquement, du coup, cette épée originale est rentrée dans les collections du musée au 19e siècle pour être remplacée par une autre en fer qui elle-même sera encore remplacée. Donc Saint-Michel a trois épées. On peut même compter une quatrième pour la girouette actuelle. Et donc nous conservons toutes ces étapes de la vie de cette girouette. Et on a pu, grâce à l'arrivée de Saint-Michel ici d'ailleurs, les comparer et les mettre une à côté de l'autre, ce qui ne s'était pas encore fait jusqu'ici. Les huit arêtes en pierre qui montent jusqu'au sommet sont construites littéralement autour de la tige. Donc c'est tout à fait certain que le bâtiment a été, même je dirais sur un plan de l'ingénierie, conçu pour être coiffé par cette sculpture qui en plus devait tourner. Donc tout le programme était prévu au départ. Saint-Michel est un personnage important, une figure importante de la religion catholique, puisque d'abord c'est un archange. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archange? En fait, c'est un ange de niveau supérieur, hein, hiérarchiquement. Saint-Michel est chargé par Dieu de diriger les armées célestes. C'est la raison pour laquelle le Saint-Michel de l'Hôtel de Ville porte une armure. Et le fait d'armes majeur de Saint-Michel, c'est d'avoir repoussé les anges déchus en enfer. D'où la représentation de Saint-Michel piétinant le démon. C'est une œuvre de prestige à un niveau presque jamais atteint auparavant dans l'architecture civile. Et ce Saint-Michel qui vient coiffer la flèche doit être à ce niveau de qualité esthétique, symbolique et technique. Et il l'est. Mais si le Saint-Michel était au Michelin, combien est-ce qu'on lui mettrait d'étoiles ? En touriste, nous faisons parfois des centaines de kilomètres pour aller voir des œuvres qui sont moins exceptionnelles que celles-là. Donc avoir la possibilité de le ramener à la vue de tout le monde pour une longue durée, en plus au musée de la ville de Bruxelles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.